Il y a Fousseni qui les a joués avec la Guinée, qui a été gagné du côté de l'Algérie. Donc il sait très bien qu'il y a encore des points faibles, notamment défensivement. Ça, c'est la première question. Mmh. Et deux, la deuxième question, et qui est une vraie question, c'est Riyad Mahrez, qui était titulaire ce soir et qui a été... Faut-il tourner la page? En tout cas, je ne sais pas s'il faut tourner la page, mais lui, il faut qu'il fasse beaucoup mieux. Parce que la question va se poser de plus en plus. Mais on sent ce soir, il a été catastrophique. On sent qu'il a la pression. Pourquoi il s'est mis autant de pression? Il n'a même pas voulu prendre le pénalty. En Algérie, c'est comme le Cameroun, c'est des pays, c'est tout le temps, tout est discuté, il y a des palabres, il a très mal vécu la dernière CAN, il a été associé à l'échec avec Belmadi. Mm-hmm. Sur les deux dernières CAN, on finit quand même dernier de nos poules, c'est quand même le capitaine de l'équipe d'Algérie, ça a été le meilleur joueur, un meilleur joueur africain. Donc associé à l'échec. Il est associé à l'échec, et en termes de forme physique, il n'y est pas parce qu'il joue en Arabie Saoudite, on voit que c'est compliqué, il fait plus de différence. Et puis il y a un signe ce soir, le penalty, c'est lui qui les prend en général. Ouais. Il l'a laissé à Benrahma. Pourquoi il le laisse à Benrahma? Parce que je pense que s'il si n'est pas bien, il est en manque de confiance. Quoi. Donc c'est une vraie question. C'est voir comment on va gérer le Camarès du côté de Petkovic maintenant. Mais sur le plan collectif, je rappelle que lors des deux dernières éditions de la CAN, l'Algérie n'arrivait plus à battre des équipes comme la Sierra Leone, comme la Mauritanie. En tournoi, mais en qualification. Mais arriver véritablement à mettre 5 au Togo après avoir pris le premier but. C'est peut-être le signe que quelque chose se passe. La principale force, c'est le fait qu'il y a toujours des talents qui sortent, en fait. On a parlé d'un petit jeune qui est entré tout à l'heure. Ouais, qui est sur le dernier but d'ailleurs. Qui fait cette belle passe. On voit Oussema Aouar qui est comme un poisson dans l'eau. Ouais, t'as raison. Cette équipe, elle est en train de monter en régime. Et, comme il disait, attention quand même, parce que les deux dernières cannes, ça n'a pas été. Mais une fois encore, pour rebondir sur ce qu'il a dit, que ce soit la défense, on en parlait avec Fousseni, c'est pas l'assurance touriste. Exactement. Après, le leader technique qu'a été Mahrez aujourd'hui, il y a quand même des signes. Moralement, il n'y est pas. Ouais. Physiquement, il est un peu enrobé. Est-ce qu'on passe dessus ou alors on lui dit que c'est toi et qu'il faut qu'il revienne physiquement? Il faut trouver le juste milieu. Petkovic devra donc trancher. Est-ce que vous lui attribuez ce regain? Est-ce qu'il y a déjà la patte Petkovic? Oui, dans le jeu, on peut sentir la patte Petkovic. Il a une appétence pour le 4-3-3. Il est passé à un moment donné aussi au 3-4-2-1. Il va devoir trouver son système. Mais c'est vrai que c'est complètement différent. Lorsqu'on arrive dans une phase finale, il y a un stage, il peut mettre des choses en place. Et c'est valable pour Petkovic aussi. Quoi. Le temps, un sélectionneur, on a besoin. Mais il y a de la matière, il y a des joueurs, il y a un renouvellement. Il va falloir, bien sûr, prendre le lead derrière Riyad Mahrez. Et on sent que Petkovic est très exigeant avec ses joueurs. Il leur demande vraiment d'être très rigoureux dans les matchs qu'il fait en sorte qu'ils ne tombent pas dans la facilité. Et je pense que ça va leur faire du bien. Ils s'étaient habitués, bien sûr, à un moment donné, à Belmadi. Ils ont vécu de très belles heures avec lui. Mais le message à la fin ne passait plus. Aujourd'hui, ils ont un entraîneur qui est arrivé, qui est rigoureux, qui a un autre discours. Et je pense que c'est bien pour tout le monde. Entre l'Algérie et le Togo, dans le groupe E, 1-2-3 du match. Le Togo va créer la surprise dans ce match. On va voir les images. Pas longtemps, mais ils vont la pas créer. Pas longtemps, mais ils ont réussi à marquer. Mais bravo. Regardez, l'Algérie qui imite la RDC. Hein, 9 points. Ça fait du bien. On essaie de copier les meilleurs du moment. Il n'y a plus de questions à se poser. La seule question qu'on doit se poser, c'est comment ils vont voyager. Qui va être deuxième? On espère. Voilà. Oui. Et la question que j'ai envie de vous poser, regardez, est-ce que l'Algérie est définitivement guérie, Philippe? On rappelle juste que l'Algérie a été éliminée au premier tour des deux dernières éditions de la CAN. Ouais, il faut être prudent quand même parce que il y a eu quelques épisodes, il y a eu des rechutes, il y a eu du regain après la CAN, celle d'avant au Cameroun. Au Cameroun, ouais. Il y a eu un regain après, tout d'un coup, les qualifs, tout ça, merveilleux, ils gagnent tous les matchs, etc. Et puis la rechute a été terrible en Côte d'Ivoire. Donc méfions-nous un petit peu, ils sont dans un groupe assez abordable pour eux. Ils vont se qualifier très tranquillement, mais il faut attendre de voir. Quand mais ces matchs-là. Mais au niveau joueur, en tout cas, leur potentiel ne cesse de s'élargir. Oui. Ça, c'est quand même un atout. L'Algérie déroule sur le Togo 5-1. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ces Algérie-Togo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour ne pas. Alors,
L'Algérie s'impose de 5 buts à 1. Et ce qui est marrant, c'est que l'Algérie a été menée. L'Algérie a été menée par le Togo, sauf que l'Algérie a fait preuve du caractère. L'Algérie a montré du caractère. L'Algérie a renversé le Togo 5 buts à 1. 5 buts à 1, les gars. Déjà, c'est le Togo qui ouvre la marque à la 11e minute. Ensuite, l'Algérie revient à la 20e minute. Ensuite, c'est l'Algérie qui creuse l'écart par Benrahma, qui double la mise. Ensuite, Aouar marque le but à la 108e minute. Ensuite, Amine Gouiri, il scelle complètement le match à la 86e minute. Même si Amoury, à la 95e minute, il creuse encore davantage l'écart. L'Algérie a vraiment fait preuve de caractère, puisque en Afrique, ce n'est pas évident, hein. Ce n'est pas évident de renverser une équipe comme le Togo. Le Togo, ce n'est pas une petite équipe. Le Togo, c'est quand même une équipe qui compte dans le continent. Donc, renverser le Togo, ce n'est pas donné à n'importe qui. Cette Algérie-là, c'est une équipe qui s'est procuré beaucoup d'occasions. C'est 20, 20. Ça montre à quel point ils ont vraiment dominé le Togo. Ils n'ont pas, pour moi, c'est une victoire vraiment méritée. 20, parmi lesquels 8 cadrés. Donc, avec une position de 64% de possession, l'Algérie a vraiment dominé de la tête aux épaules. Le petit bémol pour moi, c'est Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, il est moins bien. Riyad Mahrez n'arrivait plus à faire les différences. Et pour moi, le coach doit sérieusement réfléchir sur le cas Riyad Mahrez. Est-ce que je dois continuer de faire confiance à Riyad Mahrez, puisque on le voit très bien, il n'arrive plus à faire la différence. Il n'arrive plus à faire la différence. Le mec, il est cramé. Riyad Mahrez, il est cramé. Il n'arrive plus à faire la différence. Le coach doit vraiment réfléchir sérieusement pour savoir si il doit continuer de faire confiance à Riyad Mahrez, puisque Riyad Mahrez devient un poids pour sa sélection. Il devient un poids. C'est comme si l'Algérie jouait en infériorité numérique lorsque Riyad Mahrez au stade. Donc, le coach doit sûrement penser le cas Riyad Mahrez. Après, globalement, l'Algérie a fait un très gros match. Très gros match. Comme je l'ai dit, ce n'est pas facile de renverser le Togo. Ils ont été menés 1 but à 0 et ils ont su renverser la vapeur. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Est-ce que tu penses que l'Algérie est de retour du manteau? Et ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sont à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.